pourquoi, voyons, pourquoi se battre alors qu'on peut être tous amis? Ouais, tu t'es cru dans le monde des bisounours. Ouais, grave, ça le se lâche, là. Parce que là... Il y a des lance-quenets, des mousquetaires, c'est mignon. Ah oui, c'est la première ligne, ça, tu vois. Ah, des lance-quenettes, putain. Ouais, à la fin de la saison, on fait le jeu de la cracotte, hein. C'est moi, je parie pépé perdant, tu vois. C'est... Tu me sous-estimes, Ghost. J'imagine pas le nombre d'Allemands que j'ai capturé. D'ailleurs, Nissi, il faudra discuter, est-ce que je te les rends ou pas. Mais honnêtement, dans le zoo, il rapporte énormément d'argent. Je peux donner la moitié des recettes, si tu veux. Ben, Pépé a fait des remparts à la frontière, je vois pas pourquoi. À Panormus et Saguntum. Bah, au cas où. Au cas où. Honnêtement, vu qu'il n'y a pas de coup d'entretien, c'est automatique. J'ai monté les villes à 42 de défense. C'est pas mal. Hein. D'ailleurs, je vais acheter un château aussi hein, dans la foulée. Castle, voilà. Juste au cas où. Oh là là. Bon, vous m'aidez Oh là là. Moi, j'avais compris que vous attaquiez à l'ouest et que vous défendiez Moi, je vais pas déclarer la guerre à Pépé. On a un accord de recherche qui est en cours. Par contre, niveau approbation, c'est sûr que c'est chaud pour Pépé qui doit avoir des problèmes, genre limite des révoltes dans son empire. Bah, c'est normal vu qu'il est moins 10. Ah, monsieur a fait une citadelle, ok, très bien. Bon, Nisnis, je ne vois pas ton armée. Elle est censée backstabber Pépé à Janoscourt. Hein. Elle est à Berlin, elle va y aller. J'ai des rebelles chez moi, fichier. Vous voyez, et c'est quoi comme rebelle, juste pour rire? 4 lanciers. Des lanciers. Ah oui, en ça. Plus, ils vont bien tout piller. Ouais. La gentille Espagne qui veut abroger l'embargo sur l'Allemagne, c'est beau. Oh, qu'il est gentil, qu'il est brave, je t'aime, Max. Mais j'ai pas envie que Ghost devienne le seul maître de ce côté-là du monde, quoi. Pépé a détruit mon fusilier, sauvage. Il a galéré, je crois. Ah, puis avec l'ordre, je vais peut-être pouvoir faire le Kremlin, et avec ça, je fais des chars 10 000 fois plus vite. Oh putain, des chars. C'est pas de moi qu'il faut être inquiet, les gars. Hein. Ouais, c'est bon, quand ici sera assez pour deux heures. C'est les chars de l'Alliance, alors après. Ah, je vois les troupes allemandes qui arrivent. Coucou. Ouais. Enfin. Qui va prendre Orléans alors? Du coup, il y a beaucoup de monde à Orléans, autour d'Orléans. Ah, mais ouais. Moi, Orléans, je peux, si c'est à l'allemand, ça ne me dérange pas. Je vais demander l'accès à Paris, je vais m'installer dans ce lac. Bon, Nisnis, je te donne Orléans. Tu préfères pas attendre? Ça va être une longue guerre, une très longue guerre. Non, c'est à deux tours, hein, vous inquiétez pas. Je veux Janoscourt. Ouais, d'accord, ça me va, on va s'arranger, je te l'adfile. Reste en guerre, Nisnis, il va grossir en deux temps, trois mouvements. Il va passer Paris, mais dans un tour, il me rattaque, quoi. Bah. Non, je pense pas parce qu'il y aura quand même Vince qui sera là encore ou l'Afrogos. Je vais voir mes ambitions à la baisse un petit peu, tu vois. Bon, cela dit, tu restes premier pour l'instant. Hein. Mais bon, j'ai pas envie de faire une guerre trop longue et là, c'est parti pour durer vraiment longtemps. En plus, j'ai une bonne position défensive donc ça va faire très mal, ça va être très long. Bah ouais, mais d'un autre côté, tu tiens et t'es pépère. Ouais, mais au final, je vais perdre parce qu'ils sont déjà à deux là. Les gosses qui arrivent par derrière. C'est ça, en plus. Donc. Pépé fait une offre pour Janoscourt. Janoscourt, et puis, normalement, c'est bon. Tiens, la petite offre. Putain, moi mes conseillers me conseillent de backstab Nisnis encore une fois, quoi. Tu m'étonnes. Bon, je vais enfin, au prochain tour, je vais enfin les fusiller. Vous comprenez aussi pourquoi je ne pouvais pas vraiment décemment vous affronter. C'est vrai que t'as rushé le charbon et le pétrole. Et j'ai pas encore le pétrole. J'ai par contre, j'ai pris les écoles publiques. Bon, Nisnis, t'as accepté l'offre ou pas? Oui, n'empêche que je suis toujours en embargo, moi. Bah, Nisnis, t'as plus qu'à faire des routes entre toutes tes villes et espérer que le commerce interne compense. Mine de rien, je suis content parce que mon mécontentement est retombé à 3 maintenant. Merci, Nisnis. Putain, Pépé, il en a de la... La troupe, ouais. Charbon. Bah, il a seulement du charbon sur une ville, tu vois. Bon, Vince, tu veux Orléans? Oui. Je te la donne. S'armer à Gadès? Ah non, mais Gadès, t'imagines. Nisnis, donnerais-tu l'accès à l'armée de Pépé? Non, il faut pas. Ah et bon, je pense pas que... J'ai 17 de mécontentement, c'est... Oh 17, mais là les révoltes, mais déjà avec ton armée, occupe-toi des révoltes parce que ça va popper. Hein. Ça arrive que des villes se libèrent et soient données à un joueur, hein. Un joueur qui a le plus de pression touristique. Voilà, du coup le score est devenu décent. Bah, disons que Vince est repassé devant avec son avance technologique énorme, quoi. Mais alors, on sait tous que ça va faire coalition donc. Je suis 5ème avec 2 273 000. Ouais, pour moi, t'es une principauté, hein, t'es... Bah là, maintenant qu'il a récupéré la... Ah, Paris, ouais, enfin... tu vas voir que ça va pas être la même, hein. Ah, Janoscourt, ça va vite monter, je m'inquiète pas. Bon, est-ce que Pépé t'a contre-attaqué à Gadès? Je suis curieux de voir ça. J'ai rien à Gadès. Bah ouais, c'est Rome, la ville la plus peuplée du monde. Ouais, 23. Bah oui, c'est pas nouveau. Hein. Ouais, il y a 12 millions d'habitants. Hein. Vu la ferme lande qu'il y a autour, elle va monter jusqu'à 40. Attendez-vous à voir une Rome exploser, quoi. Ça va devenir la métropole du monde. Qui est en guerre, là? Ah oui, Ghost et Pépé, en fait. Ok. Ouah, cette frégate. Il a que ça pour lui, sinon c'est s'il vient sur le continent, je le défonce, donc... Il y a 7 frégates qui font le blocus de Gadès. Vince, Nisnis, vous voulez faire du commerce? Hein, Vince, je vais te faire une super offre que tu pourras pas refuser. C'est pas mal, Vince. Okay. Ouh, ça y est, je suis retombé à 4-2. Je me doutais bien que Gadès, tout le temps, hein, serait dégagé. Ouais,
J'ai été heureux pendant une partie de la game qu'elle était là quand même. Je ne vais pas se mentir, elle a été utile. Hein. Pour moi, Ushuan, ça a été la merveille d'Orient, tu sais. Fais attention, Vince, je suis le tampon de Ghost. Et quel tampon, hein. D'ailleurs, Ghost, on fait la paix ou pas, là, maintenant que t'as pris Gades? Ah pardon, j'ai oublié. Bon, voilà une guerre qui m'aura fait mal, mais pas trop quand même. Tu sais, Vince, que quand tu m'attaquais, quand j'étais plus que seul contre toi, Nisnis m'a proposé de venir te backstabber pour prendre Munich, hein. Qui dit ça? Qui ose dire ça? D'ailleurs, Nisnis, vu que t'as fait à fond le truc militaire, tu dois laisser des unités en garnison dans toutes tes villes pour gagner du bonheur, hein. C'est ce que je fais. Quand même, la faiblesse de choix aura fait exploser la game. Ouais, j'aurais bien profité de base, c'est quand même la faiblesse de les Girac. Les Girac, oui. Tu sais très bien que tes Panzers doivent pas aller à l'ouest, hein. Oui, à l'est. Enfin, pas trop. À l'ouest ou à l'est, sinon tu passes par les bateaux pour attaquer Max en fourbe. C'est pour ça que je suis pas mécontent qu'Orléans soit aux mains de Vince, comme ça j'ai plus de frontières avec l'allemand. On va être un peu isolationniste maintenant. Pourquoi? J'ai eu mon temps fort. Bon, faut que défendre toutes. Et j'ai beaucoup de frontières moi quand même avec des joueurs là. Oui. Bon. On va peut-être faire une convée anti-Vince plus tard dans la journée. Anti-Vince, ouais. C'était quand même là, ça va quoi. Mais moi je suis gentil, je ne prévois pas d'attaque. T'as fait ton lot de guerre. Je prends une ville par guerre, hein, écoute. Bon, Steam Power, il est temps de rusher peut-être les cuirassés, hein. Maxil va faire un truc bien, c'est abroger embargo Allemagne. Hey, je suis en train de rattraper le roman en pop. Peut-être que Nisnis sera à l'occasion intéressé pour prendre Munich, hein. On va discuter Nisnis peut-être. Peut-être. Je sais que si Nisnis m'attaque, Ghost plus, en profitera forcément, hein, n'est-ce pas Ghost? Non, il m'a rendu Cologne. Oui, bien sûr, je vais aller refaire Cologne et je vais lui rendre dans 2 semaines, tu vois. Non, mais j'ai un autre secours, oui. La course à l'armement qui a... Vince, je suis monté à 153 000 hommes. Et moi, je suis à combien, là? 145 000, bon. Voilà. Avec l'armée de Nisnis cumulée. Oui, mais moi, avec l'armée de Maxiv. Ouais, c'est Max... ça, je suis pas sûr que Maxiv te suive, tu vois. Ou alors, peut-être que Max serait intéressé pour... Ouais, Max n'est pas très... Vraiment, il a jamais été belliqueux, même ses peut-être promesses... Peut-être qu'il serait intéressant pour prendre une ville, peut-être à l'intérieur des terres, tu vois. Génial, j'ai 2 capitales et pas de charbon. C'est gros troll, quoi. Ne t'inquiète pas, je t'en filerai, après avoir consommé mes usines. On peut acheter des généraux illustres avec de la foi. Oui, vu que t'as terminé l'honneur. Et je vais rattraper le Romain en population, je suis à 15 000, il a 15 millions, il a 16 millions. Fin du traité de paix avec Petit Poussé, plus que 10 tours. Eh, hey, mais je suis dernier partout, sauf en approbation. Même en approbation. Oh là là, putain, mais des fêtes du roi qui donnent de la nourriture, donnez-moi de l'or, des femmes. Vince masse ses armées à la frontière. Bah, tu masses les tiennes, donc tu veux que je fasse quoi? C'est comme ça que ça me rappelle quelque chose, hein, c'est comme ça que les conneries commencent. Je serais tenté d'aller faire du commerce à Orléans, mais j'ai pas envie de fider Vince, donc je vais aller faire du commerce plutôt à Gades. Oh, Néapolis plus 22. Les forces de l'Empire carthaginois pourraient nous rayer de la carte en un clin d'œil. Oh bah. Nice, t'as quand même une petite armée de merde, hein. Faites votre possible pour que nous restions en paix. L'armée de l'Empire romain est sensiblement aussi puissante que la nôtre, ça veut dire qu'à nous deux, on est un pépé. Si je construis une ville sur une ressource, la ressource est automatiquement exploitée. Oui, enfin bon, t'as pas le bonus de l'aménagement, quoi. J'ai trop d'armées en route vers chez Vince, j'arrive pas à tenir la cadence. Je vois. Faut que je maintienne le rythme, moi, en production de troupes, du coup, à cause de l'autre, là. Ah bah là... Wouah, putain, l'armée qui est regroupée dans ce coin, putain. Je promenais à Orléans, et puis là, bam. Coucou. Et ça encore, c'est juste pour Nisnis, au cas où il me backstabberait, tu vois. C'est-à-dire, tu peux faire le croc de Ghost? Parce qu'il faut peut-être que je me renforce, en fait. Non, moi, je t'attaquerai pas, Nisnis. C'est ce que j'ai dit à Chouan. Oui, mais moi, j'ai PP derrière moi, tu vois, donc... Moi, je vais avoir la dynamite, hein, accessoirement. Tu savais comme ça fait mal, là. Tu sauras bientôt, de toute façon, hein, apparemment, c'est parti pour, hein. Moi aussi, je suis pas mal, hein. Enfin, je vois ça en fait, je constate les milliards de Gatling là. Y'a du monde, hein. Dois-je renforcer vos défenses à 3 Non, je pense pas, non. Hein. N'oublie pas, VP, que t'avais un accord avec beaucoup de ressources avec moi et que en me déclarant la guerre, il sera annulé. Ou peut-être que Ghost sera enchanté. Oh, mais Ghost, il sera ravi de te fider, évidemment, hein, c'est dans son intérêt. Eh, les Panzers de Nisnis. Puissance 80. Bon, Nisnis, on se fait une alliance anti-Vince. Oui, ou bien Nisnis, tu pourrais aussi prendre Lyon, il pourrait du... C'est pas un petit peu... tu sais, c'est pas... aussi reprendre Munich. Ou Orléans. Bah Nisnis, au congrès, je peux voter oui pour... Je peux voter non pour abroger l'embargo sur l'Allemagne, hein, et ça passera. Bah ouais, au final, il est au même point, donc il va aller prendre des villes pour gagner plus d'argent, tu vois. Oui, ou bien il peut me garantir de me suivre dans la guerre, et je voterai oui. Il y a aussi une probabilité que si tu refuses de lever l'embargo, c'est moi qui m'en mêle aussi. C'est probable. Oh. Il devient méchant là le Vince, hein. Il fait pression au niveau diplomatique, tu vois. C'est... Ah, ça je tiens à le préciser, hein. Moi si l'embargo est pas levé, j'ai rien à foutre, hein. Je vais même pas te voir, tu vois, je te laisse tranquille. Hein. C'est là tu m'empêches juste de commercer avec mon voisin. Cette armée que j'amène chez Vince, c'est monstrueux.
tu veux. Putain, y a pas encore les satellites, fais chier. J'aimerais être au courant, moi. Mec. D'ailleurs, c'est peut-être que Max voudra nous. Voudrait peut-être nerfer. Max a tout son commerce chez moi. Max, maintenant, est aussi un favori pour la victoire finale, là. Hein. Donc, nerfer Vince de 3 villes, ça peut être intéressant, hein. Déjà, on peut prendre qu'une ville, hein. Ah non, mais on en prend une chacun, tu vois. Ah oui. Tu vois, c'est ça, ça, hein. Ça te rappelle quelque chose, hein. Je connais un chouan qui a pas aimé se faire gangbang par 3 personnes. Clair, hein. Heureusement, moi j'avais beaucoup de villes, donc mine de rien, j'ai plutôt bien encaissé les 3 villes. En early game, ça pardonne pas. Hein. Je vois Vince qui fait des forteresses, quoi. T'as peur, Vince? Ça va être une guerre de tranchées. Dis-moi, Nissi, tu serais prêt à me donner un général illustre? Contre quoi? Tu veux des unités? Tu veux des fusiliers, des canons? Évidemment. Des Gatling? Évidemment. Je peux te donner 2 Gatling si ça t'intéresse. Je veux pas dire, mais là c'est l'URSS qui file l'Afghanistan, cause. C'est moche. C'est prends des fusils, prends des canons, allez vas-y. 2 Gatling, ni ça t'intéresse? Les Gatling, c'est en défense, quoi. Ouais. Ouais, mais ça te blinde la défense, quoi. Est-ce que ça vaut un général illustre? Ouais. Pas vraiment, une Gatling tu l'as fait, t'en fais 2 dans ta ville. Ouais, mais si t'as pas assez de troupes et que t'as pas forcément les bonnes techs, alors que le général Illus faut pouvoir le défendre. Là, avec 2 Gatling sur les collines de Berlin, déjà ça te bloque tout, il a plus qu'à se défendre ensuite à Jeanne au secours. Parce qu'il faut que je l'amène chez toi pour te l'offrir. C'est ça. Donc, déclaration d'amitié. Nis, mon frère. C'est quand même combien de trucs comme ça il y a eu depuis le début, quoi. Ouais, grave. Par contre, l'entretien de l'armée, ça commence à faire mal un peu là. 211 d'entretien des unités. En population, je suis passé premier, tiens. Ah, ça a été abrogé, la ressource de luxe perle là. Oh. Bande de fils de pute, c'est les perles. Ouais, j'ai 2 perles, tu vois, il a fait esprit cet enculé. Mais moi, je vais récolter 2 perles dans quelques instants là. Bah, t'es baisé. Tu as une bonne raison maintenant de venir faire la guerre avec nous. J'ai envoyé tous tes navires. Vin, c'est vraiment l'armée hétéroclite, quoi. Il y a de l'artillerie, il y a des lance-canets. Oh, je sens que c'est une guerre, mais ça va. Ouais, ça va être drôle. La guerre totale. Ce que j'aime bien, c'est que ça va vers une guerre planétaire et moi je fais des archéologues tranquille. T'auras eu la game super tranquille. Ouais, aucune guerre. C'est pas drôle d'ailleurs, j'aime bien les guerres. Tu aimes bien les guerres? Bah, tu devrais pouvoir être servi. Max va attaquer. Ouais, Max va m'attaquer, hein. Ah bon, Max? Tout à fait. Il fait tout son commerce avec moi, je sais pas. Non, ça fait plusieurs tours que la majorité des gens ont été replacés ailleurs. Ah, oui. Intéressant. Vince. Maintenant, tu sens ce que j'ai ressenti quand tu m'as attaqué dans le dos pour prendre Munich. Non, mais sais-tu que ce sera une guerre limitée, hein, vous en. Mais t'es premier, donc forcément. Et t'as été deuxième, Max. Le pays Pépé qui brûle. Ouais, c'est là où j'avais eu mon. Ouais, les lanciers, quoi. Les 4 lanciers, ouais, là je suis en train de réparer, je commence à réparer. Ouh, Vin, c'est monté à 163 000 hommes. Oh, cette course à l'armement. Ai-je le choix? Je pense pas, non. Ghost, tu te fous de ma gueule? Je, alors il veut que je lui donne les 3 tanks. J'exige des ressources. Oh, une flotte espagnole. Tu peux me filer le général illustre, Nis? Mes Gatling sont là, dans ma première Gatling est là. Je te la file au tour suivant, la deuxième aussi. Comment on fait? Offrir l'unité, un joli cadeau, tiens. Merci, mec. Ah ouais, du coup, il attaque en premier, il peut détruire ma flotte, oh, sérieusement. Axel va déclarer la guerre. Oh. Oh, direct. Mais oh, c'est nul, je peux pas bouger ma flotte. Mais c'est n'importe quoi. Ah, comment il t'a baisé? Petit poussin avec la. Ok, la ok, alors. Il fallait bien mais j'ai plus de route de commerce. Eh, hey, vous voulez quoi? Moi je veux 3. J'ai 16 de malheur, moins 168 d'or. J'ai 13 de malheur. Qui veut quelque chose, les gars? T'es un petit peu le premier, donc si je veux essayer de tirer mon épingle du jeu. Surtout que t'as une chance. Hein. Oh, j'ai 2 généraux illustres. Alors c'est bizarre parce que je peux bouger en même temps que Pépé. Ouais, parce que c'est le premier tour. Du coup, c'est celui qui baisera le mieux au début. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah là, moi j'ai tapé fort direct. Je gagne moins 42 thunes, j'ai 13 moins de malheur. 152 de thunes. Oh bon, il avait tout sur moi. Va falloir ferrailler. Mon armée, elle va être ferraillée toute seule là. C'est beau. De toute façon, là, c'était pas parce que Pépé a voulu te déclarer la guerre. Hein. J'ai proposé avant même, bon, il l'a pas vu, mais j'avais proposé à Nis. Ouais, mais je m'en fous en fait. Le résultat de, est même, de hein, reprendre donc. Munich en fait, ensemble. Oui. Et en fait, j'avais demandé aussi à Nis. Oui, bah j'étais en train de. Je vous disais, Max va m'aider, Pépé va m'aider terrestre. Ghost, as-tu des ressources intéressantes? Oui, j'accepte. Je t'ai fait un accord, moi. Oh, merci, Ghost. Crois-moi, tu me sauves avec cet accord, mec. Bon, Nis, je pense qu'une grosse partie de l'armée de Vince est face à moi, donc tu devrais pouvoir lui rouler dessus. Bon, Vince, si tu me donnes 3, je fais la paix tout de suite, hein. Et ai-je le choix? Non, allez hop. Ah, t'étais trop dépendant, quoi. En fait, t'étais à flux tendu, c'est tout. C'est Maxilve qui a tout fait basculer. Ah, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, je me suis dit, je vais faire mes 15 villes et après, je verrai pour attaquer. Bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis jamais monté autant au nord. Au final, vous renforcez à nouveau Pépé. Non, c'est Maxilve qui va sortir grand vainqueur de cette guerre. Parce que moi, j'ai vraiment pris cher tout à l'heure. Hein. J'ai quand même perdu. J'ai perdu 3 bonnes villes, quoi. Putain, 3 est repassé chez quelqu'un. Oui, à moi. 3 basculer 3 fois de camp. 3 fois de camp. Oh, Pépé.
t'as du sel. J'ai tout ce que tu veux, mec. Donne. Hey, tu... Faut faire plus, non? Non, apparemment non. Tu m'as piqué des ressources à 3 sûrement. Hein. Ah, les gars, vous voulez des trucs? J'ai 14 de mécontentement, je vais jamais pouvoir annexer 3. Bon, je vais peut-être faire railler un peu d'armée, moi. C'est vrai que maintenant ça devient compliqué, on a un peu trop de villes, je crois. T'es monté à 175 000! Ça fait mal! Tu veux savoir combien j'ai en entretien de troupes? Non. 249. Nice, je t'invite à. Enfin, je vais te le proposer, qu'on refasse illico presto ceci. Oui. Confiant? Alors ça, cette guerre. Ah mais non, on sait à peine taper dessus, mais ça, la déclaration de guerre, j'ai vu du rouge partout en haut à gauche. Oh putain, je vais finir le commerce. Plus 2 de bonheur pour chaque ressource de luxe, je le sens ouais, passer. C'est fat, j'aimerais bien avoir ça parce que. Heureusement, et j'ai hésité à faire des merveilles à 3, je me suis dit, ah, c'est à peu près quand même. Tu as été bien malin. Vu comment cette ville a été contestée ouais, au cours de l'histoire. Et 3, c'est génial comme ville, hein, tu vas voir. Je sais, il y a tous les castels. Il y a du charbon, j'ai fait une manufacture dessus, bref. Bon, j'ai une armée défensive maintenant, j'ai viré quelques canons. Hein. J'ai les premiers avions qui arrivent dans quelques tours. Bon, ben moi je vais rusher la DCA. C'est clair au moins. Et du coup, toutes les troupes que j'avais au RPP, je vais pouvoir les bouger là, ça va. Ah, ça va. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais pas du tout. L'armée de Disney, je sais pas si elle va me vaincre. Hein. Oh, ça y est, je suis repassé en positif. Enfin, plus zéro quoi. On peut faire la paix de Disney, tu veux Munich? Tu veux Munich? Il lui reste plus que Max. Max, tu veux que je l'aie en militaire ou t'accepterais que. Bah écoute, si tu peux avoir ton Munich, hein, moi c'est après tout, pas de soucis. Hein. Après, je gère de mon côté. Voilà, récupère Munich, hein, récupère Munich, c'est ton but de guerre. Okay, moi, vas-y Vince, je te fais une offre. Vas-y, fais l'offre. Je te prends Munich, ton cul et des agrumes. Du coup, Orléans est bien isolé, ça me fait chier. Ah ouais, oh Orléans. J'ai enclavé des troupes néerlandaises qui te feront pas chier. Ah bah oui, celles qui sont à Orléans, elles sont complètement isolées. Elles peuvent passer. Si, comment ça tu peux passer? Faut que j'achète des cases en plus. Pépé, tu peux acheter une case au-dessus de Lyon? Ouais. Sérieusement? Pour faire chier Vince. Ah oui, j'ai vu, carrément, pas de soucis, mec. Tu peux pas. Là, moins 100 d'or. C'est peut-être parce qu'il y a une troupe dessus. Non, regarde. Là, il a vaincu une fois. Oh, même ça l'a pas repoussé du bon côté, hein. Et puis tu m'as. Non. 3. Le mec, il va prisonnier un. Oh, oui, un 3. Oh, il y a un fusilier prisonnier. Bah, en gros, la guerre a duré un tour, hein, avec vous deux. Ce serait une bêtise de pas attaquer avec des panzers, c'est vrai, Ghost, mais parce que... C'est le timing incroyable, les panzers. Mais ah merde. C'est tout plat chez Ghost, c'est tout plat. Ah oui. Grave. Putain, il y a Budapest qui offre un âge d'or à la civilisation la plus avancée dans deux domaines. Quoi? Par contre, tu me blindes München, hein, tu lui mets des forties et tout. Ghost, c'est vrai que t'as vraiment une armée de merde, hein. 85 000 hommes. 85 000 hommes, ouais. Putain, Nisnis pourrait te rouler dessus sans souci. Nisnis a 85 000 300 hommes. Ah merde. 85 790. On est tellement à peu de choses. Je viens de ferrailler mon armée, je suis encore à 155 000 quoi. Putain, j'avoue, les frégates romaines qui arrivent vers Orléans là, ça sent la guerre, hein. J'ai jamais vu ça, moi. Ça sent la guerre, hein. Bam. On va mettre pause avec la violence. Petit poussé à exclu Max. Oh la violence. Mais j'ai des rebelles moi, oula. Je suis à 11 de malheur là. Je suis à 12. On a tous des problèmes de malheur, hein, putain. Ouais, à peine je passe à 11 de malheur, ça y est, des rebelles pop. Pareil, j'ai eu deux cavaliers là. J'ai une cavalerie qui se promène au milieu de vos combats, hein. Faites attention à pas la blesser. Hein. L'Espagne a retiré sa promesse de protection envers la Valhalla. Ouais, c'est l'IA. L'IA automatiquement, je sais pas pourquoi, elle arrête tout quoi. Elle baisse son froc. Ça va lui faire enculer. Alors Vin, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner l'accord militaire pour que tu puisses virer tes fusiliers qui sont bloqués chez moi. Bah normalement, t'as accepté, non? Max, t'as vu, Pépé complote déjà contre toi. Libère les troupes. Non mais Max est un peu trop fort là en fait, donc il va falloir le... Tu dis ça parce qu'il a rattrapé Vin? Exactement. Ah, oui. Et en plus, il va peut-être le battre. Donc. Un navire marchand espagnol. Du coup, je suis plus en déficit, je suis à moins 117, mais j'ai 200 d'or, donc je tiens un tour. Ah ouais, l'IA a changé l'intégralité de mes productions. C'est qu'il était à un tour d'une merveille, bam, tu recommences. Ah, d'ailleurs, je vois que le Romain commerce avec Orléans. Au tour prochain, je vais encore avoir 10 millions de rebelles, je pense. Allez. Bon, je vais faire mon premier cuirassé à vapeur. J'ai pas la tech encore. Comment ça, y'a du citoyen qui glande, c'est quoi cette histoire? Je préfère faire des sous-marins. Je serais tenté, tu vois, de faire une citadelle pour libérer Orléans, en fait. Tu fais ça, j'en fais une, hein, c'est pas un problème. Tu sais, moi, je peux les acheter, les généraux illustres. Et je suis derrière ce Vince en score, hein, je vois. Tu regardes la démographie et t'es genre tout. Et il a beaucoup plus de troupes de l'autre côté sur le front. Regarde la démographie, c'est toi qui es devant largement partout. Parce que je suis deuxième en armée, mais j'ai 50 000 hommes de moins que notre ami Vince. Quoi. Mais Vince, en fait, il a une grosse armée de porcs, mais il a beaucoup de frontières à garder. Hein. Il touche tout le monde, tu sais. Je suis presque en positif, je suis à moins 25. Moins 25, je vais t'envoyer plus 20 partout. Que ça devienne pas une habitude. Hein. Tu vas pouvoir donner Orléans après comme ça.
Ça se serait pas passé comme ça au niveau de l'autre front si j'avais pas eu la moitié de mes troupes qui étaient parties ailleurs. C'est bête, hein. Ton général s'est égaré dans une taverne pendant une nuit, puis voilà, tu vois ce qui arrive.